En même temps, parfois, il faut un peu fermer sa gueule aussi. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. This party will rock every. Bon, vous vous rappelez du vlog d'hier? Il y avait une tempête. Et vous savez qui n'a pas aimé la tempête? Moi. Oui, ça se voit. Mon micro est mort et c'est seulement que plus tard dans la journée que je m'en suis rendu compte. Merde. Alors du coup, pour la première fois en 7 ans, je vous propose le vlog d'août. On arrive enfin au pop-up avant l'ouverture et mon père est en train de finir de peindre. Mais la couleur est trop belle, du coup on enlève ce noir et blanc et on regarde ce beau rose. Waouh ! Ça n'est pas un vlog de Léna situation sans un petit peu de galère, n'est-ce pas ? Hey, le site ne fonctionne pas alors qu'il ouvre dans quelques minutes. Et le stress monte car on vient de voir l'ampleur de la queue. Vous voulez voir ? Parce que préparez votre cardio. Ah, c'est pas fini, hein. Je vous ai dit cardio, on continue de courir, allez hop là. Marc, tu peux venir te doubler s'il te plaît? Quoi? Tout ça? Mais c'est iconique, non? Bon, j'ai dû dire un truc comme ça, je sais plus. Et comme si ça n'était pas assez, une heure avant d'ouvrir, il pleut bergère. Petit bruitage de pluie. Bon, je coupe la pluie, là, c'est insupportable ce bruit. Comme on est en mode positif, on ne veut pas lâcher l'affaire, on a décidé d'offrir des Little Moons dans la queue parce qu'on s'est dit qu'il faisait trop chaud, que le soleil tapait trop fort. Donc on a offert des glaces dans la queue. De mon côté, je me suis isolée parce que... Cadeau de quelqu'un qui t'aime beaucoup, je trouve ça incroyable. Mais waouh! Mais c'est trop beau, il y a un mot. Jade et Fred, fait maison. Mais waouh! Bah trop stylé. Et derrière, ouais, t'as une espèce d'accroche comme ça. Et du coup, tu vas mettre où chez toi? Bah, réponds à la question. Il y a plus de son, hein. Bug un peu le son. Non, c'était pas ça l'histoire. C'est qui est venu? Julien, j'ai aucune idée de à quoi ressemble le son, mon micro il s'est cassé. Là, y a, mais depuis tout à l'heure, mon vlog en fait, il va falloir que je le fasse en mode Charlie Chaplin. Oh, ou est-ce que tu vas devoir le redoubler? Bah ouais. En créant d'autres histoires? Ouais. Alors là, c'est le moment où je suis triste parce qu'il y a plus de nuggets. Il y a plus de nuggets. Ça file
Philippe, ça me va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Max Mou. Mais il est dans le train, il voulait manger des nuggets. Oh merde, ouais, c'est vrai que lui, il aimait très fort les nuggets. Je suis retourné voir Anne. Anne la litière. Anne, vous êtes géniale. Anne la litière. J'ai acheté le lit. Oh, il peut pas être livré avant. Ah merde. Mais tu vas dormir où? Ici là, c'est bon. Ah bah parfait. Bonne nuit. Tu veux une couette? J'ai un très plat. Peu dormi. C'est pour te couvrir. J'ai très peu dormi. Voilà. Ça te va? Merci. On a ouvert une boutique. Ah, mais un vacarme. Mais... Je vais décéder. J'aimerais juste manger. S'il te plaît, Léna, est-ce qu'on peut bouger? Pour aller manger et... Il y a des choristes là-bas, on a plus de micro, non mais ce vlog vraiment... Mais c'est un nom de rue. T'as pas aligné totalement, genre ça. M'énerve. Quoi? Ça énerve ce petit millimètre. Ouais, regarde, il est pile bien là. Celui-là il est énervant. Ça c'est l'accueil du site, ça dit la piscine. Et quand tu cliques, la mer. Bah tu veux savoir le vrai thé? C'est qu'on avait loué un lieu pour faire des photos avec une piscine. C'est la tempête à Paris. Mais là, il faut laisser passer la tempête. Seb niveau 1. Et Seb niveau 2. Seb après le printemps. Papa! Oui, ma fille. C'est fini la journée. J'ai épuisé. Oh, tu m'étonnes. Pop-up situation, elle est pratique. 22h30 quand même. Hein. Bah, en fait, il y avait tellement de gens qu'on a laissé le resto une heure de plus, quoi. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, tout le monde. Hein. Merci mille fois. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ça. Tu te régales? C'est trop bon. Burger vegan. C'est pas que c'est vegan. Incroyable. C'est la viande à pivot, c'est délicieux. Incroyable. Enfin, la fausse viande du coup. Au revoir mon petit restaurant, à demain. Bon, on a encore des petites touches à faire. Hein. Je sens que je vais partir dans une minute, sûrement il y a un message. Elena, pour... Je suis déjà en train de l'écrire. Vache. Un burger. On chacun est un croc avant d'aller au resto. Mais pas Julien d'abord parce qu'il prend des énormes crocs, il adore ça. Ah non, c'est fou les gens comme ça. Mais c'est vegan. Plutôt. Un croc avant d'aller au resto. C'est excellent. Incroyable avant le resto. Il y a pas de laitue. Ah, bon. J'adore alors. J'ai un bout de salade. Non mais un brin de salade. Non mais grandissez un je peu. Le détecte, vous, là. Je le détecte. Mangez des frites, du pain et des nuggets. À un moment, un peu de salade, un peu de verdure, putain. Moi j'aime la salade. La salade dans le burger. Ça y est. Oui, la salade dans bien le burger. Bien la culpabilité. Bon. Ça a l'air rose. Nuggets. Ça a l'air rose. Nuggets. Un croc avant d'aller au resto. Un bout de salade, un Seb. Un croc avant d'aller au resto. Eh, hey, tu serais pas un peu une drama queen, toi? Un peu. Partage avec tes amis. Non, je partage avec mes amis. Non. Je vais pas faire un plan romantique, chacun un bout et c'est pas du tout romantique. C'est pas du tout romantique, Paul. Bon, ça va, Paul, on sait que t'es un peu tout seul. Non, je vais pas. Il est interminable, j'ai l'impression que c'est le burger de Mary Poppins. Oh, c'est drôle, on devrait l'appeler comme ça. Ah, mon doigt. Mec, le petit oiseau. Bon, venez, allez. Une glace avant d'aller au resto. L'employé du mois. Avant d'aller au resto. Mmh. Mais demain, la belge. Vas-y, j'adore. Mais demain, venez la journée quand on a tout qui est ouvert. Bisous. Venez. On a une maison dans les, on Landes. Va dans les Landes. C'est quoi Landes? Le temps qu'il arrive, faut trouver où on va. Marc, resto ouvert maintenant. .com. Je panique, j'ai ouvert Vinted. Genre vraiment, c'est juste avoir de réponse sur Vinted. Oh, bonjour. Ouais, mais il me localise en Belgique. Ah bah super, on est pas sorti de l'auberge. Ah, vous êtes les premiers? Ouais. Ah, tu peux écrire un. Un et deux. Deux. Ah, il y a des numéros. T'écris. Oui, ils ont fait. Ah, ils l'ont fait entre eux. Ouais. Ah, mais c'est trop mignon. Mais ouais, c'est ouf. Ah, ils l'ont fait entre eux. Ils l'ont fait entre eux. Le premier, il arrivait à 6h du matin. Il a eu des nuggets, lui. Ouais, il est dénué. C'est l'heure à laquelle t'es parti te coucher. C'est possible. Le pire de la situation, il est sexy. Mais elle va manger des pieds de terre. Non mais aïe. Mais laissez-le tranquille. Mais mon bon papa. C'est notre taxi. Faut lui demander un resto, hein. Bonsoir. Allez ma Charlotte, tu peux arriver. Youp la bombe. Eh ben je sens qu'on va se régaler les Mais on va où? En pied de cochon. En pied de cochon? Oui mais personne, moi je vais prendre une pour matin. Hein. Quoi, après avoir tapé le burger vegan, on se fait un pied de cochon? God, qu'est-ce qu'on est? Mais des gars? Vraiment c'est culte. Ah ouais? Putain. Ouais ouais. Non, il faut faire la queue et regarder les lustres. Mais peut-être que Hôtel Mafou, je l'appelais au pied de... Au pied du Khalouf. Au pied de Khalouf, ouais. Hôtel Khalouf. Si ça marche autant, moi aussi je préfère. J'aurais dû m'appeler. Bah, on est tellement fait organisé. Et vous savez, on peut manger à cette heure-ci dans le coin. Plus grand chose. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un collaborateur sympa. Romuald? Oui. Et c'est Rodrigue qui nous envoie. Rodrigue. Un verre, on a Alors, le monsieur du restaurant nous a dit qu'il y avait trop de monde pour l'instant.
Il va nous appeler quand il y a une table de libre. Il nous a dit, en attendant, allez voir Romuald. On sait pas c'est qui Romuald. Ça, c'est mon mec, ça. Merci, j'ai froid. Est-ce que t'avais cramé mes appels de phare en disant « Ouh, j'ai un peu Ouh, froid ». Ouh, bah bien sûr. Attends, je t'ai jamais habillé. C'est super drôle, la vie comme ça. Ah ouais, merci pour ton pull. Ah, tu portes mon sac ? Oh, il est royal ce soir. Le pull, il porte mon sac. Putain, on l'a bien choisi, hein. Ravie de vous rencontrer, Romuald, alors. Attrapez la bague au lasso. Yeehaw! Ah oh! À quoi on joue en attendant d'aller manger à The Foot of the Pig? Maxou! Bois pas trop, hein. Gusek! Allez, on me servira un autre. Le moins fort possible. Ah là, on l'appelle Rodrigue. Non mais c'est minuit 20, mon pauvre petit famine. Ça fait 40 minutes. Aïe. Rodrigue, retenez bien. Je vais le retrouver, je vais lui expliquer. On va arriver, on va dire excusez-moi. Vous avez une petite table? Il appelle Rodrigue pour nous. Rodrigue, on va avec lui. Et là, Romain il va nous dire vous allez voir Rodrigue de la part de Romain. J'ai super café. Oh, c'est Seb Laprite qui paye. J'ai une ampoule. Tu veux boiter comme ça, je suis pas la seule à boiter. Tu peux boiter aussi. Est-ce que tout le monde peut boiter comme ça, je suis pas la seule à boiter? Non mais parce que j'ai trop mal aux pieds. Ah, merci. Mais respecté. Ah mais oui, un classique on a dit. Rodrigue. Toi t'es végétarien, non? Merci. C'est des vieux de Disney. Ils sont gentils. C'est vrai. Ils sont adorables. C'est gentil ce qu'on dit. Pourquoi on se cache pour le dire alors? 3, 2, 1. Ah, ils sont géniaux. Hein. Bisous les copains. Bonne nuit. Les petits. Let's go. Allez, Solène. Oh. Bisous. Oh my god, le retour à la maison. Mais t'es encore à poil. Le vlog il a commencé sur ça, il finit sur ça. Mais Solène, La boucle est bouclée. Je voulais me faire belle, je voulais vous séduire, vous draguer un petit peu, tu vois, du fait que vous veniez dans ma boutique. Donc j'ai mis des talons. Eh, je sais pas pourquoi. Talon plus courir à droite, à gauche. D'habitude, je connais. Mais là, une boiteuse. J'ai mal. Mais toi, là. Et franchement, par contre, on peut se le dire. La coupe de la chemise, elle est parfaite. Parce que du coup, on voit ni mes fesses, ni rien devant. Ouais, bah franchement, là, tu l'auras vendu ce matin. Je veux trop une chemise qui cache mes fesses et ma poussée en même temps. Tu les as pas beaucoup vues, hein. Mais j'étais beaucoup occupée. She's so busy. Yeah, I'm so busy, but I will be here next time. Don't worry. Next time when? Demain. Ah. Oui. J'aime bien les bandages. Je trouve que c'est mieux que les pansements. C'est plus drama queen. Les gens ils t'arrêtent et te disent ah mais qu'est-ce que t'as? Tu vois, ça te raconte un peu une histoire. T'as un background quand t'as un bandage. Donc oui, je mettrais des bandages même quand j'ai des ampoules. Bon ma Soso. Alors ta première ouverture de pop-up officielle en tant que membre de la marque? Encore plus intense parce que il y a certes les vlogs, mais en plus de ça il y a gérer le staff, les petits soucis de dernière minute, les petits trucs. Mais est-ce que t'arrives à être fière de toi? Ouais, je suis fière de moi, franchement, je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de dire que je suis fière de moi en plus. C'est vrai? Ouais. C'est vrai que là, ces derniers jours, on était vraiment hyper focus sur ça, parce qu'évidemment, quand tu ouvres une boutique sur laquelle tu bosses pendant des mois et des mois et des mois, tu peux pas... Tu peux pas lâcher le bébé comme ça. Tu peux pas lâcher le bébé comme ça, exactement. J'ai hâte de voir nos bêtises. Arrivé. J'ai hâte de voir le pop-up aussi avec les transats qu'on s'est fait chier à monter, que des gens ils soient dedans et qu'ils soient pas juste en train de s'envoler à cause d'une tempête de merde là, qui a cassé mon micro. Tu te rends compte quand même que j'ai vlogué genre pendant 4 heures sans micro? Bah, vraiment, et t'as rien vu? Mais rien vu, bah rien entendu surtout. Mais en même temps parfois il faut un peu fermer sa gueule aussi. J'espère que ce vlog muet vous avait fait du bien. Mais en même temps pas trop, parce qu'après vous allez me dire mais en fait elle est mieux quand elle ferme sa gueule. Et moi si je ferme ma gueule j'ai plus rien pour moi. J'ai tout misé sur
ton tchatch, ma personnalité, mon tchatch. Pas sur l'emballage, que sur ce qu'il y avait dedans. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas fermer ma gueule. Et là, c'est drôle, c'est tous les commentaires, c'est ferme ta gueule. On va enfin manger! Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone.